Le royaume de mon père était un royaume de paix et de prospérité. L'honneur et l'amour de la liberté étaient les valeurs qu'il chérissait le plus au monde. Ce sont ces principes qui m'ont formé. Au lieu de chevaucher les vastes étendues en chassant avec mon père, j'aurais pu rester au coin du feu avec ma mère à faire de la broderie, en écoutant de jeunes damoiseaux me conter fleurettes, pour être un jour, selon les vœux de ma mère, une parfaite princesse couverte de robes et de bijoux, prête à me marier le jour de mes 18 ans. Mais mon père n'avait pas cette vision-là du monde. Étant son héritière, je partageais sa vie aventureuse comme si j'étais née prince et non princesse. Ma mère voyait tout cela d'un mauvais œil et rêvait pour moi d'un gentil fiancé qui me ramènerait à la réalité de mon destin de femme. Appréciez-vous les délices de la vie, Augustin ? Ah, ma délicieuse enfant, juste à l'heure pour le repas. Et cette promenade à cheval. Merveilleuse. C'était la meilleure jument que j'ai jamais eue. Bon, reste bien à l'écart de la forêt d'Isma. Les hommes arbres n'épargnent pas les princesses. Cette bande de sauvages te tuerait. Je sais, père. Je suis affamée. Utilise ta fourchette, Louisa. Que serais-je sans vous, ma chère mère? Louisa, es-tu en contact avec le duc de Toggindor? Il semblerait que son cœur batte pour toi. Nous avons échangé quelques lettres. Il m'ennuie beaucoup. Tout le monde t'ennuie. Pas mon père. La flatterie est une vertu diplomatique. Louisa, tu dois enfin commencer à envisager le mariage. Il est indécent qu'une jeune femme de ton âge ne soit pas mariée. Comment peux-tu te conduire ainsi? On dirait un des lieutenants de ton père. Ce n'est pas une attitude de princesse, vois-tu? Je ne suis pas intéressée par le mariage, mère. Il y a des choses que je trouve plus importantes et intéressantes qui méritent toute mon attention. Quoi, par exemple? L'équitation. L'escrime. La chasse. Il suffit à présent. Le mariage est-il une si mauvaise chose? Ça dépend. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes sain et sauf. Oui, oui, ça va, Paxian. Il y a des blessés. Fais dresser une tente dans le village. Je veux y aller aussi. Ils sauront s'en charger. J'en suis sûre, mais j'aimerais leur venir en aide. C'est une bonne chose pour Louisa d'être avec son peuple. Rentrez tout de suite. Viens avec moi.
Louisa est dans le village. Envoie quelqu'un la chercher. Tout de suite, sire. Protège tes yeux. Monseigneur, nous n'étions pas préparés à cela. Votre Altesse, il serait prudent de vous mettre à l'abri. Préparez-vous à tirer! Attendez qu'il soit à portée de vos flèches! Attention! Préparez-vous! Archer, visez la tête! Louisa, tu n'es pas blessée. Trouvez ses parents. Dieu merci, tu es sauve. D'où vient ce dragon? Paxian, pourquoi cette attaque de dragon après 20 ans de tranquillité? Je l'ignore. Il faut faire des recherches. Ce monstre risque de revenir très vite. Ce fut le début de la malédiction. Le dragon de feu revint toutes les semaines semer sa terrible destruction. Il dévorait les villageois et réduisait en cendres leur maison. Mon père ne pouvait rien faire pour l'arrêter. En 3 mois, son royaume fut pratiquement détruit. Il a tout détruit. Lâche ça! Non! Les villageois se battent entre eux. Ils souffrent de la faim. Puis-je vous suggérer des sujets d'inquiétude plus appropriés à une princesse de sang royal? Ah oui. Alors, je ne dois pas m'inquiéter à propos de mon royaume, c'est ça? Louisa, il suffit. Mais père, je n'ai pas confiance. Viens, laisse ton père tranquille. Mais je ne... S'il te plaît. Ton attitude est très maladroite face à ton père. Je n'aime pas Paxian. Il me traite sans aucun respect. Même si c'est vrai, tu ne dois pas te conduire de la sorte envers lui. C'est le conseiller de ton père, pas le tien. Maintenant, va dans ta chambre. Mais enfin... Maintenant! J'ai reçu un message. Le roi Quilok demande une entrevue avec vous. Quilok, qu'est-ce qu'il me veut? Il est prêt à ouvrir les portes de son royaume à notre peuple, mais il exige que vous lui prêtiez allégeance. Au plus vite. Qu'est-ce qu'il manigance? Si je pensais que c'était possible, je dirais qu'il nous a envoyé ce dragon de feu lui-même. Nous sommes en difficulté, nous devrions considérer son offre. Pourquoi le dragon n'attaque-t-il pas ses terres à lui? Il doit y avoir quelque chose qui le protège. Probablement la chance. Votre Altesse, les citoyens du royaume de Carpia se sont rassemblés devant le château. Souhaitez-vous que nous les laissions entrer? Certainement pas. Ils souffrent de la faim, Majesté. Oui, et alors? Ce n'est pas mon problème. Tant que le roi Augustin ne sera pas soumis à mon pouvoir, ses sujets resteront à la merci des éléments, ou du dragon de feu. Ce qui, après tout, est la même chose.
Mon père ne voyait pas plus loin que cette petite province. Mais les choses vont bientôt changer, je peux le jurer. Je veux plus d'hommes pour garder la Dracole. Oui, Votre Altesse. Pourquoi pas le chevalier à la d'or ? Monseigneur, si je peux me permettre, ce n'est vraiment pas une chose à envisager. C'est pourtant le seul homme à avoir tué un dragon. C'est un traître. Le chevalier à la d'or a été banni par le roi Quilok pour trahison. Tout le monde sait que le roi Quilok était jaloux d'à la d'or. Il n'en reste pas moins qu'à la d'or a perdu son titre de chevalier. Une punition extrêmement grave pour un homme qui manie les armes de combat. Ce serait une véritable violation de nos règlements que d'employer un chevalier qui a été banni. Je connais tous ces règlements par cœur. Mon père faisait partie du conseil qui les a rédigés, mais là, c'est l'avenir du royaume qui est en jeu. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais vous avez toujours prétendu que lorsqu'un monarque se permet de soumettre les lois officielles à ses propres désirs, il est déjà corrompu par cet abus de pouvoir. Mère, vous m'avez fait peur. Ainsi, tu écoutes aux portes. Non, je ne voulais pas déranger cette discussion importante. Louisa. Je t'ai demandé plusieurs fois de regagner ta chambre. S'il te plaît, obéis à mes ordres. Qui est ce chevalier à la d'or ? Reste en dehors de tout ça, ma fille. Si cet homme peut aider le royaume, alors il faut le trouver. Peu importe ce qu'il a fait, mère. La moitié de notre armée est faite de voleurs et de criminels. Où est la différence ? Penses-tu pouvoir diriger ce royaume mieux que ton père ? Mieux que Paxian, en tout cas. Paxian est le premier conseiller du roi. Peut-être, mais c'est un mauvais conseiller. Ceci ne te regarde pas. Père ne veut pas le voir, mais vous savez que j'ai raison. Alador a vaincu un dragon de glace pour le roi Quilok Ier. À sa mort, le roi Quilok II a prétendu qu'Alador s'était retourné contre lui. Le roi Quilok est un spécialiste en mensonges. La question n'est pas là, peu importe. Alador a été banni et... Louisa, tu dois aller te coucher. Je vais éviter de dire à ton père que tu passes tout ton temps à l'espionner. Je ne veux plus t'entendre parler de politique, Louisa. C'est l'heure de dormir. Je vais faire venir ta servante. Je vais dans la forêt d'Isma afin de trouver ce mystérieux chevalier à la d'or dont tout le monde me parle. Vous, Louisa, n'êtes pas censée aller quelque part à cette heure. Surtout pas dans la forêt d'Isma. J'y vais quand même. Et je saurai me protéger. Je suis sûre qu'il est dans la forêt d'Isma. Si j'étais à la d'or, je me cacherais là. Et c'est là que je vais le trouver. Un geste. Une fille ? Une princesse. La princesse Louisa de Carpia. Formidable. Nous avons eu la reine d'Égypte la semaine dernière. Elle nous a dit beaucoup de bien de vous. Je suis la princesse de Carpia. Oui, c'est ça, oui, certainement. C'est une nouvelle mode. Les princesses portent des habits d'hommes ces jours-ci. Et des armoiries. Oh, je vais finir par y croire. Je cherche le chevalier Alador. Alador ?
Vous le connaissez? Et pourquoi diable voulez-vous le voir? Je veux lui confier une mission. D'accord. Mais l'endroit n'est pas sûr, j'entends quelque chose. Allons-y. Serait-ce le chevalier Alada? Ça m'étonnerait beaucoup. Allez, dépêchez-vous! Des hommes arbres. Que faisons-nous? Restez immobiles. Ils vont s'en aller? Non, ils veulent nous tuer. Vous avez une arme? Une dague. Une dague, hein? Et pourquoi pas un cure-dent? T'en as mis du temps. Qui êtes-vous? Je suis la princesse Louisa de Carpia. Je cherche le chevalier Alador. Puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis celui qu'il faut remercier avant de lui poser des questions. Êtes-vous obligé de me bander les yeux? Je suppose que oui. Je veux parler à Alador. Je sais que vous le connaissez. Pourquoi ce silence? Pourquoi le roi envoie-t-il sa fille porter un message? C'est moi qui ai décidé. J'en ai le droit. Je ne vous crois pas. Parce que je suis une femme? Vous êtes sa seule héritière, vous êtes indispensable. Le roi enverrait plutôt un messager ou un soldat. Ou un pigeon. Exact. Un dragon de feu terrorise le royaume depuis plusieurs mois. Ce terrible fléau sème partout la destruction et la mort. Le roi Quilog dit qu'il protégera notre peuple seulement si mon père accepte de se soumettre à lui. Si le roi Quilog obtenait ce pouvoir, nous deviendrions ses esclaves. Voilà pourquoi je veux rencontrer Alador. Il est le seul homme à avoir tué un dragon. Il doit aussi terrasser celui-là. Mon père veut lui rendre son statut de chevalier. J'ai peur qu'il ne puisse accepter. Pourquoi? Alador est mort. Comment le savez-vous? Parce qu'il était mon père. Vous pourrez dormir ici. Demain, vous retournerez au château. Alors, Gabriel, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Rien. Ce n'est pas à nous de combattre. Non, ce n'est pas à nous de combattre. Mais peut-être que... Non. La dernière fois que mon père a combattu pour un royaume, il a été trahi et abandonné. Je ne veux pas subir le même sort. Gabriel, mon ami, ne laisse pas les injustices de Quilog guider ton attitude envers Augustin. On dit qu'Augustin est un excellent roi et un homme d'honneur. Tu as raison. Eh oui, ça m'arrive. Mais tu te trompes parfois. Oui, mais ça m'arrive moins souvent. Je refuse de me battre. Il refuse de se battre.
Bien dormi? Je pensais que vous étiez parti. Parti? Pourquoi quitterait-on un endroit aussi magnifique? Une tasse de thé? Pourquoi Alador a-t-il été banni par Quillok? Oh, il vaudrait mieux demander ça à Gabriel. Où est-il? Il est dehors. Je ne suis pas une princesse comme les autres. Je vois bien votre collection d'armes. Ce ne sont pas là des armes de guerriers ordinaires. Je sais également que les chevaliers transmettent toujours leur technique à leur descendance. Et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une pratique extraordinaire. Comme tuer les dragons. Déjà debout? Nous allons vous escorter. Il serait dangereux de rester seul. C'est gentil. Remerciez mon ami. C'est son idée, pas la mienne. Attendez. Avant de partir, je vais vous montrer quelque chose. Je crois que vous serez toutes deux très impressionnées. Ouvrez les yeux. Et ça, ce n'était qu'une très faible charge. Avec un mélange plus puissant, je fais exploser une montagne. Intéressant d'avoir cette option. Une option? Bougeons d'ici. Je vous ai impressionné. Bougeons d'ici. Dites-moi que je vous ai impressionné. Vous avez d'autres refuges? Vous savez, ma belle, on voyage beaucoup. Vous pouvez me suivre au galop? Aucun problème. Ne m'attendez pas! Filez droit devant! En raison de votre relation avec mon défunt père, je vous fais cette offre. S'il s'agissait d'un autre seigneur, je laisserais tout simplement la destruction s'accomplir. Ne me faites pas la charité, c'est du chantage purement et simplement. Vous pouvez juger mon offre de la façon qu'il vous plaira. Il n'en reste pas moins que... j'offre de sauver votre peuple. Vous en êtes incapable. Vous avez 2 jours pour réfléchir. Ne m'importunez plus. Son père doit être en train de se retourner dans sa tombe. J'attends des ordres de vous. Il faudrait un miracle. Mais pour l'instant, je me dois d'accepter son offre. Nous attendrons. Mon père vous serait très reconnaissant si vous nous débarrassiez de ce dragon. Je ne combats pas les dragons. Je ne sers pas les royaumes, ni les hommes qui les dirigent. Mon père est un homme juste. Son peuple l'aime et le respecte. Il est prêt à abandonner son trône pour nous sauver. Cela modifie votre jugement? Pourquoi me soucier de votre père? Vous pouvez nous aider. Et moi, je n'ai pas besoin de vous. Mon père vous fera chevalier. Alors, où en êtes-vous, les amis? Et je suppose que vous n'accepteriez pas une large récompense? Pardon? Oh, nous aimons les pièces d'or. Nous n'avons qu'un seul rêve, être riche un jour. C'est ça. Parfait. Ravissante créature. Et c'est le printemps. Comment as-tu pu faire une promesse de ce genre à la place de ton père? Est-ce que tu connais la punition de ceux qui parlent illégitimement au nom du roi? Oui, oui, père, je sais... Silence! Où est-il? Ils sont dans la salle d'accueil. Je les amène auprès de vous? Non. Retire-toi, maintenant. Pourquoi? Ne me fais pas regretter l'éducation que je t'ai donnée toutes ces années. Retire-toi, j'ai dit! Augustin, tu dois parler avec cet homme. Ce serait ridicule. Un hors-la-loi qui se cache dans la forêt, le fils d'un chevalier banni. Je doute de ce plan. Il faut envisager toutes les options. Le roi Quillok vous fait une offre. Même si elle vous semble désagréable, elle sauvera le peuple. Cette offre est une bonne solution. Cela n'en reste pas moins du chantage. J'ai encore besoin d'y réfléchir.
C'est sympathique ici. Dis-moi pourquoi on me fait attendre. Ah, il prépare peut-être les apéritifs. Tu es fou. Gabriel, la nuit dernière, nous avons dormi dans un trou à rats. Ici, c'est un palace. Je ne suis pas pressé de repartir, moi. Messieurs, le roi vous attend. Il semble que ma fille vous ait fait une offre de ma part, sans mon consentement. Je savais qu'elle mentait. N'allez pas trop loin. Pouvez-vous faire ce qu'elle dit? Pouvez-vous tuer ce dragon? C'est mon père qui a fait cela. Je ne suis pas mon père. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelque chose. C'est de nouveau l'horreur. Le dragon est de retour. C'est bien dommage. Faites quelque chose. Faites-le vous-même. Gabriel, répondez-moi. Pouvez-vous détruire ce monstre? Ça ne vous regarde pas. Si, au contraire, le sort de mon peuple et le mien sont en jeu. Si vous pouvez tuer ce dragon, j'honorerai la promesse de ma fille. Je paierai la récompense pour la tête du monstre. Vous n'y songez pas, Majesté. Ne m'interromps pas. Je te donne ma parole. Qu'en dites-vous, messieurs? Viens. En plein dans la cible. Dis-moi, tu as enfin mis au point ton explosif? Il fonctionne? J'en sais rien. C'est une arme dangereuse. Nous devrions le tester ensemble. Qu'en dis-tu? Allons parler avec ces messieurs. Votre Majesté, d'après ce que j'ai vu cet après-midi, je crois pouvoir dire avec certitude qu'aucun homme ne peut vraiment vaincre ce dragon. Vous l'avez blessé aujourd'hui. Ça ne doit pas être impossible. Aucune stratégie normale ne peut tuer la bête. Pourquoi le royaume de Quilock semble-t-il protégé du dragon? Un dragon est l'incarnation des forces du mal. Il va tout attaquer et détruire sur son passage, excepté la dracole. La dracole est cette sphère qui se trouve entre les yeux du dragon. La dracole est en fait une coquille.
C'est l'œuf qui contient la descendance de la bête. Quilloc doit avoir une dracole exposée sur les hauteurs de son château. Et comment Quilloc s'est-il procuré la dracole? Par mon père. Le père de Gabriel a tué un dragon de glace et il a subtilisé la dracole. Il est le seul homme à avoir accompli cela. Tous les dragons sont des femelles. Elles portent avec elles une seule dracole pendant toute leur vie. Avant de mourir, le dragon expulse la dracole. D'où sort un petit bébé dragon. Il apprend vite. En quelques jours, il peut voler et se nourrir. Puis, il abandonne sa mère, qui meurt. Il s'envole dans le ciel, et c'est le début d'un nouveau cycle. Quel fascinant discours. Je suis sûr que notre roi saura vous trouver un poste de professeur. Comment faire pour le tuer? C'est impossible de tuer un dragon. Un autre dragon. Faire. Un autre dragon? Vous ne pouvez pas croire ce Gabriel. Nous ne savons pas ce qu'il a l'intention de faire. Il va créer encore plus de destruction chez nous. C'est un traître comme son père. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quand son père était au service de Quilloc Ier, tout le monde sait qu'il haïssait le jeune prince. Quilloc Ier tenait Alador en grande estime. Ils étaient très proches, ayant traversé de nombreuses épreuves ensemble. Alors, pourquoi l'avoir banni? Après la mort du roi, Alador demeura premier chevalier du royaume. Le jeune Quilloc respectait l'expérience d'Alador, mais ce sentiment n'était pas partagé. Alador critiquait toutes les décisions du jeune roi. Il voulait, sans doute, devenir roi à sa place. Quilloc avait beaucoup de patience envers lui, en souvenir des relations entre son père et le chevalier. Mais un jour, il apprit qu'Alador cherchait à s'approprier le trône. Quilloc mit alors sa tête à prix, et Alador disparut sans laisser la moindre trace. C'était un homme sans aucune vertu. Sans morale. Aujourd'hui, il semblerait que son fils soit prêt à nous trahir comme le père a trahi le roi Quilloc Ier. Comme vous le savez, mes seigneurs, les chats ne font pas des chiens. Tu as dit ce que tu avais sur le cœur. Maintenant, retire-toi. Je viens avec vous. Ça m'étonnerait. Je vous ordonne de m'emmener. Je ne suis pas un soldat de votre escorte. Je n'obéis pas à vos ordres. Désolée, princesse. Vous avez du mal à communiquer tous les deux, on dirait. Sais-tu, mon garçon, que si ton plan échoue, nous allons mettre d'autres vies en péril? Espérons seulement que le sang de mon père coule dans mes veines. Attends mon signal. Dès que tu as fini, on se retrouve ici. Sois prudent, petit. Et bonne chance. Que voulez-vous ? Que vous cessiez de me traiter comme une potiche. Princesse, qu'est-ce que vous voulez? Je veux vous aider. Reconnaissez mes qualités, je vous ai retrouvé deux fois. M'aider, hein? Arrêtez avec ces mensonges. Vous avez essayé de me tuer, pas de m'aider. Je suis aussi forte qu'un homme. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Mais les femmes comme vous ne renoncent jamais. Vous apprenez vite, on dirait. Je ne dirai qu'une chose. Évitez de vous faire tuer. J'essaierai. Oui, oui. Je serai bientôt de retour.
Pourquoi voler la Dracole en plein jour plutôt que d'attendre la nuit? Parce qu'il y a un changement de garde le matin. En fin de journée, ils sont moins alertes. Mais j'agirai seul. Je veux venir avec vous. J'ai besoin de vous ici, c'est le meilleur poste d'observation. Dès que je sortirai, vous enverrez le signal. Voilà le matériel pour le signal. Comment allez-vous entrer? J'ai grandi ici. Je connais ce château comme ma poche. Et prenez garde, il y a des hommes arbres partout. Je suis assez grande pour me défendre. Posez la Dracole et abandonnez vos armes. Axian ? Lâchez-moi ! Vous n'êtes rien ici, princesse. Le fils d'Alador. Je reconnais votre amulette. Ça veut dire que vous me laissez partir? J'ai bien peur que non. Je savais que vous étiez un traître. Sensibilité féminine. Vous auriez pu être une excellente reine. Quel dommage. Pourquoi faites-vous ça? Augustin est faible. Son royaume est soumis à des lois, mais aucune loi ne contrôle la volonté des hommes. Quillok avait besoin d'un allié venu du ciel. C'est vous qui avez fait venir le dragon de feu? Ce ne fut pas difficile. Le monstre était en hibernation. Je l'ai sorti tout simplement de son sommeil. Meurtrier! Exact. Exécutez-la. Non! Non!
Que se passe-t-il? Paxian. Ils conspirent avec Quilok pour détruire mon père. Ils utilisent le dragon pour leur ignoble cause. J'avertis Sanjimel. Il faut faire vite. Nous devons aller au château pour prévenir mon père. Voilà un bébé qui ne déclenche pas l'instinct maternel, on dirait. Qu'est-ce que c'est? Encore une invention de Sanjimel. Avec un peu de temps, il invente tout ce qu'on veut. Que faites-vous? J'indique au dragon comment nous trouver. Êtes-vous sûr de votre plan? Peut-être pouvons-nous rapporter la dracole au royaume de Carpia. Si elle protégeait Quilok, elle nous protégera. Et des innocents de son royaume seront détruits. C'est ce que vous voulez? Ils ont déjà Quilok. Sanjimel a réveillé le dragon et il viendra jusqu'ici. Pourquoi? Il sent lorsqu'il y a du danger. Si nous affectons la dracole, elle envoie des signaux de détresse. Le dragon de glace les suivra. Et comme les dragons d'espèces différentes se haïssent entre eux, ces deux-là finiront par se livrer. Une terrible lutte. Mais êtes-vous sûr que le dragon de glace va vaincre le dragon de feu? Sanjimel les connaît bien. Il pense que le dragon de glace est plus fort. En êtes-vous bien sûr? C'est difficile à évaluer. Mais j'ai confiance en l'expérience de mon ami Sanjimel. Avez-vous pu laisser faire ça? Nous avons perdu notre seule protection! Vous mettez mon royaume en danger, capitaine. Écoutez, la tactique est simple. Trouvez Gabriel au plus vite et liquidez-le. Ensuite, vous me rapporterez la dracole. Vous sentez-vous capable d'exécuter cet ordre? Oui. Ou est-ce que la pensée de tuer le fils de votre ancien chef vous torture-t-elle? Oui. Ah, belle franchise. J'aime beaucoup. Cependant, si vous ne vous sentez pas capable de le tuer vous-même, alors tranchez-vous la tête. La situation sera tellement plus simple pour nous deux. Allez, disparaissez. Ça devrait aller. Mettons l'œuf dans cette boîte. Elle est faite de plomb. Le plomb empêche les sons et les odeurs de s'échapper. Je croyais que nous devions attirer le dragon dans cet endroit. Non, pas tant qu'on est là. Ouais. Nous devons juste l'attirer dans cette région. Il rencontrera l'autre dragon dans le ciel. Nous devons agir vite. Où allons-nous, Gabriel? Dans une ferme abandonnée où nous pourrons nous cacher. Je ne trouve pas notre petite Louisa. Tu as demandé au serviteur? Sa servante ne l'a pas vue depuis hier. Je ne pense pas qu'elle soit allée au-devant du danger. C'est ce que vous croyez? Elle vous ressemble.
Vous lui avez toujours appris à se conduire comme un homme. Voilà le prix à payer pour avoir fait de votre fille un chevalier plutôt qu'une princesse au cœur sensible. Je ne lui ai jamais demandé de risquer sa vie. Non, elle essaiera toujours de vous prouver qu'elle est capable de vous succéder. Elle a dû suivre Gabriel. Elle est quelque part dans cette forêt, exposée à tous les dangers. Attends. Il faut t'attendre. Ils sont trop proches. Et la Dracole? Ils ne peuvent pas la sentir tant qu'elle est dans la boîte en plomb. À mon avis, ils se sont éloignés. Tout va bien maintenant. Prenez un peu de repos. Vous en aurez besoin. Votre père voulait un fils, non? Il voulait un enfant, surtout. Et le vôtre? Qu'est-ce qu'il voulait? Retrouver son honneur. Il a beaucoup changé après sa destitution. Servir le royaume était sa raison de vivre. Alors il a commencé à désespérer. Il se sentait vide et inutile. Même s'il n'y avait pas de quoi, il essayait de me cacher ses états d'âme. Il m'a quand même appris à devenir un bon chevalier. Même sans le titre, j'étais le fils d'Alador, et je devais être à la hauteur. Mais comment est-il mort? Je crois qu'il n'avait plus de but dans la vie. En quelque sorte, il s'est éteint. Vous étiez près de lui. Ça devait le réconforter. Je pense que ce n'était pas suffisant. Je suis sûre qu'il serait fier de vous aujourd'hui. Bon, nous pouvons y aller. Vous faire prisonnier par ordre du roi Quillock. Jetez vos armes. Vraiment m'affronter. Sage décision. Bon retour au village. Bonjour, princesse. Nous devons rejoindre très vite le château. Je vous dis bon voyage. Princesse.
Tess! Vous êtes blessé? Princesse Louisa! Princesse! Je vous conseille de faire demi-tour, jeune homme. Et de retourner immédiatement d'où vous venez et au galop, s'il vous plaît. Sauvez votre vie! Vous n'êtes pas blessé? Non, ça va. Il faut partir. Ce dragon va revenir très vite. Tu viens avec nous? Non, c'est vous qu'il faut sauver. Sans jumelles. Allez-y, courez. Je vais le retenir quelques minutes. Monseigneur, permettez-moi, nous avons fait une terrible erreur. Paxian, est-ce que tu as vu Louisa? Je ne sais malheureusement pas où elle se trouve, peut-être avec sa mère. Il n'est pas trop tard pour accepter cette offre du roi Quillock. Votre Altesse, attendez! Quel imbécile! Nous étions morts d'inquiétude. Tu n'as rien. Je vois que vous avez trouvé la dracole. Père, Paxian est un traître. Il complote avec Quillock depuis le début. Paxian, c'est impossible. C'est vrai. Il a failli tuer Louisa. Gabriel m'a sauvé. Il était là auprès de moi et essayait de me vendre à Quillock. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je trouverai cet homme. Non.
Restez ici et éloignez la menace des dragons. Je m'occuperai de ce traître moi-même. Envoyez un de vos soldats, mon roi. Ne risquez pas votre propre vie. Il a voulu tuer ma fille unique, en plus de m'avoir trahi. Alors non, ce combat m'incombe. Louisa, restez ici. Je ne pourrai plus vous protéger. Pardon, Louisa. Ne m'obligez pas au mensonge. C'est mon père. Il me faut y aller. Mais ne dites rien à ma mère. Je ne peux pas faire ça, princesse. Écoutez-moi, si vous enfreignez les ordres, je lui dirai. Je n'ai pas le choix. Et si vous ne revenez pas, que vont-ils faire de moi? Ils diront que c'est ma faute. Princesse. Ne dites rien à ma mère. Trop de malheurs sont arrivés, faites-le pour moi. Je te faisais confiance. Épargnez-moi vos inutiles leçons de morale. Votre discours est ennuyeux depuis bien trop longtemps. Comment oses-tu? Vous êtes un monarque sans caractère. Et votre caractère à vous vous commande de faire périr tout un peuple innocent. Vous serez détruit, que vous le vouliez ou non, par la main de Quilok. Je profite simplement de la situation. Je n'ai pas tué un homme depuis bien longtemps. Mais ça ne devrait pas être trop difficile. En aurez-vous seulement le courage? Le ciel se réjouira quand je te percerai le cœur. Enfin. Rejoignons-nous au palais afin de trouver comment récupérer la dracole. Félicitations, Paxian. Tu as réussi à détruire notre merveilleux plan. Augustin est mort, mais le royaume de Carpia ne vaut plus rien tant qu'il est sous la menace des dragons. Le royaume sera bientôt détruit et mon royaume sera le prochain. Je vous fais la promesse de pouvoir... Non, tes promesses sont inutiles. Je vais m'en occuper. Nous avions un contrat. Tu devais être récompensé pour me livrer le royaume. Pas de royaume, pas de récompense. Tu as échoué, misérablement. Crois-tu mériter une récompense pour cela? Non, monseigneur. Mais si Gabriel parvient à vaincre le dragon de glace, tout rentrera dans l'ordre. De quoi me parles-tu? Tu crois peut-être que je n'ai rien compris? Il nous faut retrouver la dracole. C'est ça, ta mission. Aucune force, aucune volonté au monde ne me fera aider Gabriel. Tu entends? Pourquoi le haïssez-vous autant? Sur son lit de mort, mon père m'a dit que c'était l'héritage du sang qui me donnait le trône. Si ça avait dû être le mérite, il l'aurait donné à Alador sans hésitation. Tu avais une mission très simple, libérer le dragon de feu afin qu'Augustin vienne rechercher ma protection. Où en sommes-nous maintenant? Je n'arrive pas à croire que le fils d'Alador nous donne plus de soucis que le père. Combien de héros cette famille va-t-elle produire? Mais le plan de Gabriel peut échouer. Ne sois pas si sûr de cette affaire, mon ami. Le père de Gabriel a déjà tué un dragon de glace, Paxian. Et je suis sûr que le fiston connaît parfaitement toutes ses petites ruses et ses tactiques.
Je veux que tu ailles le tuer toi-même et que tu me rapportes ma dracole. Moi, Seigneur. Pontiero! Oui, Votre Altesse, je suis à vos ordres. Écoute-moi bien, Paxian. Je veux la tête de Gabriel. Que ce soit bien clair, tu es un homme mort si tu échoues à nouveau. Je partirai dès le retour du roi. Quel est ton plan? Pour commencer, éloigner les dragons du royaume, et pour sa sécurité, Louisa devra rester ici. Tu dois savoir que Louisa n'obéit jamais aux ordres. Elle n'écoute que sa propre volonté. Mère. Mais où étais-tu passée? Que se passe-t-il? Dis-moi où est ton père. Très peu de temps, le dragon de glace s'était attaqué au royaume et terrorisé à son tour les villageois. Après la mort de Saint-Gimel, Gabriel avait peu de chances de réussir tout seul. Il ne lui restait plus en souvenir que les quelques conseils de son père sur la façon de tuer la bête. Mais avec la fierté d'un vrai chevalier, il refusait le doute et la peur et commença à mettre son plan en action. Je t'accompagne, Gabriel. Non, c'est trop dangereux. Je dois y aller. Mon père a été tué. Et c'est parce que je t'ai fait venir, parce que j'ai voulu que malgré le malheur, ce royaume survive et... Parce que ton père est mort, nous avons le devoir, toi et moi, de rester fortes. Le peuple tout entier dépend de nos décisions et de notre autorité. Je demande à l'accompagner. Il le faut. Alors, si c'est ton choix... Allons-y. Il faut diriger le dragon vers la montagne de sel. Comment feras-tu? Tu verras. Nous y sommes! N'allez pas plus loin! Rendez-nous la dracole et vous aurez la vie sauve. Comme c'est gentil. Pontiero, dès que vos hommes seront prêts, je serai ravi de voir nos amis mourir. Pontiero, ceci est un ordre du roi Quillock! Cet homme sait que si nous ne tuons pas le dragon, nous allons tous mourir. Si nous voulons survivre, il faut travailler ensemble. Je crois que ma position dans cette affaire est très claire. Oui, très claire. Je choisirai également ma position, qui est aussi très claire. Retournez immédiatement avec votre roi. Tous ceux qui rejoignent les rebelles seront tués! Le diable vous emporte! Je promets de vous faire tous exécuter! Je vous demande de me pardonner d'avoir trahi l'esprit des chevaliers. J'ai servi sous votre père, c'était un brave. Injustement banni. C'était une manigance de Quillock. J'aurais dû rester aux côtés de votre père. Merci. Où allons-nous à présent? À la mine de sel. Reine Rémini, votre royaume est à moi, maintenant. Vraiment? Je n'en ai pas encore eu la confirmation. Ce n'est pas un hasard si le dragon de feu s'est déchaîné sur vous.
Je ne suis pas comme mon père. Lui se contentait de maintenir le même territoire pendant des années, même des siècles. Un royaume, s'il ne veut pas mourir, doit grandir. Misérable, c'est toi qui as créé tout ça! Très prochainement, ta dernière chance, Gabriel, aura disparu. Mon royaume sera le seul endroit sûr pour toi et pour ton peuple. Tu as encore l'illusion que nous allons nous soumettre et t'accepter comme notre roi? Ta naïveté n'a d'égal que ton immense stupidité. Je t'enjoins de quitter ces lieux! J'aime bien cette résistance que peut t'offrir une femme, mais il faut être réaliste. Ton avenir est tout tracé. Ce qu'il te faut, c'est un homme puissant. Je t'ordonne de rejoindre... Ça, c'est pour mon mari que j'aimais. Reste avec les soldats, ils te protégeront. Et qui te protégera? Je viens avec toi. Non, écoute-moi, Louisa, s'il te plaît. Reste ici. Ceci est ma protection. Si le dragon s'approche de lui, il faut tirer à vue. Princesse, il ne sentira pas nos flèches. Et alors? Ne rien faire lui serait fatal. Thank you.
Mon Dieu! Que se passe-t-il? Cherchez, vite! Présente votre seigneur et maître. Laissez-moi passer, sinon le roi s'en souviendra. Comment te sens-tu? Vivant. Tu as l'air surpris. C'est exact. Si j'avais connu la nature de ton plan, je ne me serais pas tant inquiétée pour toi. Si j'avais été sûre de la victoire, j'aurais demandé plus d'argent. Je suis désolée pour ton père. Comment va la reine? C'est une femme courageuse. Nous commençons à reconstruire en réunissant les deux royaumes. Ainsi, ils seront plus riches qu'ils ne l'ont jamais été. Oui. Le médecin a dit qu'il faudra du temps avant que tu ne guérisses complètement. Oui, mais je pourrai bientôt remonter à cheval. Je ne veux pas forcer ton hospitalité. Tu peux rester ici autant que tu veux. C'est un merveilleux royaume. Il fallait le sauver. Ainsi que son peuple. Ainsi que son peuple. C'est un jour de deuil pour notre royaume, mais c'est aussi une lueur d'espoir. Gabriel, tu es exactement le chevalier que je veux pour protéger mon royaume. J'espère que tu as décidé d'accepter. Vous me faites un grand honneur. Et en tant que premier chevalier, je demande à Messire Pontiero de se joindre à moi. J'ai besoin de son aide et de son expérience. J'accepte cet honneur. Félicitations. Aujourd'hui, votre tenue est différente. Espérons qu'elle vous plaise. Je dirais que oui. Par chance, il restait quelques atours féminins dans mon armoire. Aujourd'hui, il semble plus approprié que mes bottes de cavalière. Et vous êtes très belle. C'est très gentil, mais je reste un soldat. Oh, je sais ça. Et je suppose que je prendrai mes ordres directement de vous, non? Absolument. Après la victoire de Gabriel, le bonheur s'installa à nouveau dans le royaume de Carpia. Les dragons avaient disparu, Quilok avait disparu, et nous commençâmes à reconstruire les deux royaumes en une seule terre où nous pouvions vivre en paix. Ma mère avait repris l'œuvre de mon père et régnait sur le peuple avec la même élégance et la même dignité que notre défunt roi. En ce qui me concerne, elle ne cessait jamais de planifier le moindre détail quant à mon avenir. Mais pour une fois, nous regardions dans la même direction.
Comment trouvez-vous ces deux tourtereaux? Puis-je parler franchement? Allez-y. Je les trouve terriblement têtus et terriblement braves. Deux qualités nécessaires pour survivre au mariage. J'ai le sentiment que ma mère est en train de nous observer. Gagner. À quel spectacle s'attend-elle? À chaque fois que je suis en compagnie d'un homme, elle voudrait que je l'embrasse sans arrêt. À chaque fois? Combien d'hommes ont déjà été invités? Ne sois pas jaloux. Oh, vous faites tout pour ça. À tous les hommes et les femmes dont le courage a permis de sauver notre peuple, à ceux qui sont toujours parmi nous et à ceux qui vivent maintenant dans nos souvenirs, à Saint-Gimel, sans qui nous ne serions plus là, à notre roi, à mon roi, qui reste une flamme vivante et éclaire le chemin que nous prenons aujourd'hui sans lui. I'm